Laetus, gentleman et compagnie, bienvenue dans mon univers Roble Rouge pour vous servir. Épisode 12 de Harry Potter et la Chambre des Secrets sur PlayStation 2. Et on va au terrain de Quidditch pour affronter Serre d'Aigle. On a déjà explosé Poufsouffle lors du premier match à quelques épisodes. Maintenant, on va aller juste exploser Serre d'Aigle. Attends, check les points vite fait. 230, 195, on baisse Poufsouffle. Ok. Ah, Serpentard est en tête. Oui, bon, calme-toi, Ron. C'est moi le héros. Il va aller changer les cartes, on s'en fout. Ron, arrête de courir si vite, tu vas être fatigué encore. Ron, reviens. Je balance des incendios partout. Brûlez. Je fais cut, je vais le ken. On va arriver avant lui. Admirer, parce que Ron est très 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 strict envers lui-même. Il ne sort pas des sentiers battus au sens propre comme au sens figuré. Regardez ça. On va arriver avant lui. On a baisé le jeu tout simplement. Je suis trop fort. Désolé Ron. Tu ne sers définitivement plus à rien. C'était pas déjà grand chose. Cette fois, je n'ai plus besoin de toi. Ouf, Serdec Gryffondor contre Serdec. Un bus de 1000 près. On va aller chercher Visitor Potter. Allez, c'est parti. Tananana. Je qui lui? Pourquoi il me tape? Cho Chang, elle est vénère. Est-ce que c'était Cho Chang dans Harry Potter 2? Je ne pense pas, mais ça l'a dit, elle est plus vieille qu'Harry d'un an, il me semble. Donc, possiblement, ouais, non, c'est pas Cho Chang. Du moins dans le jeu, quoi. Allez, Potter. Oh, comment je le nique. Regardez ça. Il me donne des coups de coude, Madame Bibine. Je ne vais pas lancer. Turbo. Nanana. Je suis trop rapide, je dois gerber. Putain, mais il met des coups de latte, le mec, il se croit dans Street Fighter. Il est connir m'attaque, Fred George. Mais mon balai est en panne. Je prends tous les cognards du monde, je prends des coups de latte de partout, je suis seul sur le terrain. Je me fais bully par Serre d'Aigle. Oui, Potter se fait toucher par tous les cognards du monde. Il n'y a pas de batteur dans cette équipe. Ils sont nuls. Ah ouais, mais je suis pas prêt à faire des trucs comme ça. On se rappelle qu'on est sur PS2, hein, c'est dur de contrôler. Les petits remontées en pique là, non? Cognard, les SOS, tape Harry Potter sur son balai.
en chair. Il va pleurer dans les jupons de sa mère. Ben non, elle est morte, sa mère. Il va pleurer dans la barbe de Hagrid. Et se moucher dans ses nez. Je vous en supplaxe. Je n'ai qu'un choix. Puis la mère de Turbo, il s'arrête d'un coup. Et après, c'est fini. On me rattrape instantanément. On va perdre notre cerf d'aigle et je vais m'en foutre totalement. Allez Potter! Oui Potter! Potter est un héros, Gryffondor l'emporte. Dommage de gagner, quoi. Oui, Ron, tu vas te coucher, c'est ça? Tu es fatigué, peut-être. Quel match! Les cerfs n'ont aucune chance de gagner. Je ne sais pas pour toi, mais moi je suis épuisé. Ah, t'es épuisé d'avoir applaudi. Je vais me coucher. Ok, mec. Tourne dans ses erreurs. Harry content. C'est pas la poker face, c'est la porter face. Excellent. Mettre fin à la journée. Pam 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 pam. Serpentard. 357 points. Sœur d'aigle. 280 points. Où souffle. 280 points. Et Gryffondor. 310 points. Serpentard est en tête. Serpentard est en... Comme d'habitude. B. Hey, je t'écoute. On dirait un vieux journal. Il appartenait à... Quoi? Jeu du sort. Attends, je connais... Mais t'as trouvé ça, Ron? T'as trouvé où ça? Ça où? Attends, t'es en retenue quand? J'ai un peu l'impression qu'on l'a pas vu. Que dans le livre, finalement. Les pages sont vierges, pas comme ta sœur, Ron. Ouh! Pardon. Harry alla se coucher avant ses camarades pour pouvoir examiner de plus près le journal de Judas. Il tourna les pages vierges lorsque... Ah ouais, comme ça, le livre lui parle. Salut mec! Dans le jeu, c'est pas un journal, c'est la tablette de Tom Jedusor. Avec reconnaissance vocale. Bon bah allons-y, de toute façon. Ça n'a aucun sens. Ok. Harry ne bougeait plus, envoûté par les souvenirs de Tom Jedusor. Bonsoir, Rubéus. Oh, on voit le souvenir, c'est bien. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, une partie. C'est fini pour toi. Je ne crois pas que tu avais l'intention de tuer qui que ce soit. Mais les monstres ne sont pas faciles à domestiquer. Montrez Hagrid, s'il vous plaît. Je veux voir Hagrid jeune. Allez, viens, Rubéus. Le moins que Poudlard puisse faire, c'est d'abattre la chose qui a tué la fille. C'était pas lui. Jamais il aurait fait ça. Jamais. Ah. Non. Non. C'était Hagrid, Ron. Je l'ai pas vu, mais... Va prévenir Hermione. En tout cas, mon livre vierge me l'a dit. Bon, bah allons-y. De toute façon, le film et le livre jouent sans nous. On n'a rien le droit de voir, on n'a rien le droit de faire. Donc je vais aller voir Hagrid. Sans raison apparente, mais je vais y aller.
C'est parti. Hagrid, est-ce que tu as ouvert la chambre des secrets? Bah oui, Harry. C'est moi. Pourquoi il y a un préfet, c'est la nuit, là? Bon, je pense pas. Je ne pense pas. Hagrid. Direction le jardin de Poudlard. Le parc, plutôt. Oh, mais si c'est la nuit, il y a les fantômes. Et pourtant, il faisait jour dans la cinématique. En plus, Ron ne dormait pas. C'est une bonne preuve qu'il était au moins midi. Allez, hop. Ah, mais oui, mais il y a les préfets, quoi. Chiant tout plein. Vas-y, vous cassez les couilles. Ça va recommencer! Je déteste ces préfets. Attends, on attend qu'il passe l'escalier. Il revient devant. Maintenant! Go Potter, go! Il y a bien pire que des loups-garous, mon garçon. Il y a des préfets du Poudlard. Je pense que c'est là-bas la cabane de Hagrid. Ouais, tranquille. Tac, saute. Putain, discret, Harry, discret. Il n'y a pas de préfet, c'est bien. Ça change. Green, je dois venir vous voir à 2h du matin. C'est très important. J'ai besoin de vous parler. C'est quoi ça? Un loup fantôme. Les ennemis de Voldemort, enfin les alliés de Voldemort dans le 1. Allez hop, je rentre sans toquer. Oh, Assassin's Creed. Trop bien caché. Très sale affaire. Les choses sont allées trop loin. En tant que directeur du conseil d'administration, je dois faire mon devoir. Il casse le vent d'eux en fait. Mais m'emmener où? Vous n'allez pas m'emmener dans cette prison. Vous n'allez pas m'emmener à Azkaban. J'ai peur que si. Non, je sais pas. Je... À partir de cet instant. Là, oui. Si le conseil d'administration veut mon départ, monsieur, je m'en irai. C'est trop un homme en or, quoi. On lui met une baffe, il tend l'autre joue dans le doigt. En fait, il n'a pas vu Harry, il parle pas de lui, tu sais. Il parle genre de McGonagall. Mais Harry est tellement narcissique. Putain, mais le film, il passe à une vitesse, hein, le jeu. C'est la clé du mystère. Il balance sa clé devant Harry. C'est la clé du mystère, voilà. Et Lucius, il regarde pas. Oh, lui, on y va, bon. J'ai une clé. Je pense que un mystère est lié à cette clé. Je vais rentrer au château, en parler à Hermione. Non, mais en fait, je peux aller dans la forêt, en vrai. Genre, c'est la clé de là, non? Je me casse. Je suis juste parti dans la forêt interdite tout seul. Attendez, je vais changer mes sauts, si vous permettez. Je vais mettre Lumos à la place du balai. Je sens que j'en avoir besoin dans cette forêt de barbares. Allons-y. Les araignées vertes. Oh! Bah. Non, je vais taper des esquives, je vais pas les combattre en fait. Hop là, la forêt interdite. Hop, petit coffre.
Je me demande ce qu'il peut avoir dans un coffre dans une forêt interdite remplie d'araignées. Oui, une cure de sorcier célèbre, Harry. Tu l'as bien mérité. Barrez-vous. Oh, elle est jeune celle-là. Est-ce qu'il en s'en fout? Je m'en fous. Personne ne me touche pas. Bim, bim, bim. Ok, il faut que je casse la toile sur le sol. Ah! Ah. Ok, mais. Peut-être sauter dessus juste? Il faut que je fasse quelque chose. Ah, c'était une chauve-croate. Je me disais bien que cette araignée avait une drôle de forme. Hop, ouvrez votre porte, vous êtes décédé. Non? Ah si. Wow. Une araignée presque géante, mais pas si grande que ça non plus. Non, pas exactement. Je suis un ami de Hagrid. Hagrid ne nous avait jamais envoyé d'humains. Hagrid a des ennuis, c'est pour ça que je suis là. Mais excuse-moi, il ne devait pas avoir un rouquin avec toi? Non, il dort. Il est fatigué. Dans le château, et ils l'ont emmené à Azkaban. Tout ça s'est passé il y a bien des années. Il croyait que c'était moi, le monstre de la chambre des secrets. Il pensait que Hagrid avait ouvert la chambre pour me lier. Vous parlez super bien. C'est pour ça qu'il a été renvoyé de Poudlard. Vous n'habitiez pas dans la chambre des secrets? Non, évidemment. Tu ne connais rien, Potter. Et Hagrid s'est occupé de moi. Le cadavre de la jeune fille a été découvert dans des toilettes. Et moi, je ne connaissais du château. Vous voulez dire que vous êtes sorti du placard? Vous avez fait votre coming out? Qui l'a tué? Nous n'en parlons jamais. Bon bah dans ce cas, je... Partir, bon, oui. Je ne crois pas. Mais... Mes enfants... Ah, qui bouffe une licorne, vos gosses, je veux dire. Je sais pas, il y a des centaures et tout. Non, mais moi je me cache, je vais pas rester là. Au revoir, Aragorn. Allez hop. Moi je me casse. Hein. Bon, on va tenter les esquives encore. Tac. On va trouver le bon chemin. One shot. Oh. Tant pis pour la fuite. Les cartes de sorcier célèbres sont plus importantes que ma vie. Que le futur de Poudlard. Oui. Bien. Allez, cette fois je peux m'enfuir en ayant peur. Oh non! Attends, je viens de par là. Non, non, tu viens pas de par là. T'es sûr? Je pense que tu viens d'à côté. Oui, exact. Je me parle à moi-même, ça vous dérange pas? Vous êtes pas mal à l'aise quand je fais ça? Non, ils sont pas mal à l'aise, t'inquiète. Bon, ça va là. Je suis peut-être trompé de côté. Je m'en vaxe. Hop là, l'esquive. Hop là, pas l'esquive. Mais s'il faut que tu aies un gorn. Je pense pas. Bon, c'est par là, de toute façon, il n'y a pas d'autre chemin. Mais je reviens là. En dessous. Ouh. Un coffras magnificos. Mange-la. Il faut que je la tue d'abord.
Une choco-grenouille un peu fondue. Non mais c'est pas par là, mais je dois faire quoi? C'est très mal expliqué tout ça. Mais t'es en train de brûler, il te fout pas de moi l'araignée. Bon, arrêtez de vous moquer de moi s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un autre chemin? Je pense pas. Bon bah dans ce cas on se casse et j'ai pas l'impression que je peux viser un Redband de toute façon. Et si c'est un tant soit peu copié sur le film, je pense qu'on peut dire qu'il y a une voiture qui va venir nous sauver. Peut-être un peu en retard. Hein. Je crois pas qu'il n'y a pas de chemin. Là on a dû cramer une toile. Mais bon. Logic at it, mais. Non mais. Mais. Et ton père. J'ai eu un coffre, vous avez de la chance. J'aime les coffres. Avar Potter. Une chocolat guanoï. On a chocolat guanoï. Hop, c'est délicieux. Pour la guimauve, exceptionnel. Putain, il fallait le voir. Hein. Pardon. Je pense. Elle n'est pas très contente, mais je parle pas d'araignée. Je sais pas. Tiens. Va en enfer avec tes grands morts. Je me casse. Hop là. Hop, hop. Qu'est-ce que vous allez faire? Rien du tout. Hop là. Harry Parkour. Je suis pas sûr de ce que je fais. Je devais pas monter. On est d'accord. Je devais descendre. Il y a peut-être un coffre en haut. Putain, cette coffre, cette forêt est remplie de coffres. Yes. En fait, c'est la collection d'Aragorn, c'est pour ça qu'elle est vénère, je vole toutes ces cartes. Désolé, Aragorn, mais je collectionne depuis plus longtemps que toi. Ça fait au moins 2 semaines. Oui. Tac, 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 tac. Ok. Bon, pourquoi je suis passé par là, mais je le sentais bien, ce petit bout de bois. Je peux pas monter là-haut? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le coin? Putain, décidément. Ah! Allez, allez, on n'a pas trop le temps. Je signale qu'il y a des centaines d'araignées qui veulent nous tuer. Oh, mais non, moi je voulais une carpe, une grenouille. Dégage, toi. Je me suis trompé, j'ai bouffé l'araignée! Lol. Bon, je suis mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé, genre? Je n'ai pas compris, je suis mort. Je me sens énormément, non? Bon, je sais qu'il y a une choco-grenouille en haut, on s'en fout du coup. Incendio. Oui. J'espère que c'est une carte. Non. Bon, je vais bouffer quand même parce que j'ai un peu la dalle. J'avais pas perdu de vie. La musique épique. Oh.
Cette fois, c'est une carte. Ils ne vont pas donner 50 chocolats à la suite. Bien sûr que si. En fait, je la mange même pas. Hop, hop, esquive. J'ai fait tout le tour, genre. Mais pourquoi il est plus fun? Faut tuer les amis avant. Je sais pas si on peut les tuer. Oui, totalement. Ça dégage. Harry Frotter. Faut plus faire ça. Hein. Ah ouais, mais je peux pas esquiver en fait. Sachant que je peux pas envoyer de sort, je pense. Bon, je peux envoyer ça, je peux rien faire, je peux juste marcher. Là. GG Harry Potter. Bougez tous. J'ai jamais tué ça, je te jure, je te retrouve, t'es mort. Ce qui m'a retiré plus de vie, c'est les plus tapotes. Et peut-être ça aussi. Je suis tombé où du coup? Oh, je suis mort. Bon. Est-ce que je suis revenu au bon endroit ou pas? Je ne sais pas du tout. Ouais, si c'est là, vu que je suis tombé comme un noob ici. Oh, elle se cache dans les campus, quoi. Dégoûte. Hop là. Non, mais moi, j'essayais juste de m'échapper, hein, pas de faire mal à Aragorn. Hein. Ah bon. On va saluer alors. Non, il y a un coffre. Il y a un coffre. Le coffre. Putain, je dois. What the fuck. Et quoi? Mais quoi? Mais comment je suis censé la battre? Je sais pas comment je suis censé te battre en fait. Quand tu fais ces cris là, je dois taper ton vagin sous ton ventre. Parce que... Je vous annonce, ce combat va être détestable. Tiens, brûle. Oh, ça lui retire tellement pas de vie. C'est quoi ça? C'est vrai que c'est dragé, mais que j'en ai fou. T'avais pas donné un truc pour rendre de la vie, genre des bonbons? Dans une toile d'araignée, c'est de plus en plus sale, Poudlard. Oh. Il me faudrait une super vitesse pour esquiver ça. Oh putain, elle continue à perdre. Elle récupère pas sa vie. C'est pour dire que c'était un peu trop dur, quoi. Tiens, continue de crier. Hop, directement dans le clito. Bien gonflé. Wow. Hop, allez. Ça brûle? Non, il a pas voulu brûler. Mais... Voilà. Un peu de vie. Regarde, la tape, le paquet de bonbons, la piñata d'araignée. Laisse-moi les droits de jeu. Comme si c'était important en ce moment même. Les bébés qui te suivent, c'est trop mignon en fait. Mais tu craches tes bébés, hein?
Tu es une mère horrible, Arrigo. Un père horrible, Aragorn. Tu es un mal. Chien. Viens bébé. Non, viens pas, viens pas. Oh. Pas de pitié pour les Potter. Mais s'il te plaît, laisse-moi, arrête de me bully. Ah, tu fais bugger mon écran. Montre-moi ta chatte. Montre-moi ta chatte, Aragorn. Non, c'est pas ça. Bon, bon, bon. La patience est une vertu. Pardon. Oh, ça va être long, mesdames et messieurs. Dans un instant, on va bientôt d'aille. Arrête de me cracher tes enfants dessus, s'il te plaît, c'est gênant. Pour tout le monde, pour moi, pour tes enfants. Je suppose que pour toi, c'est pas très agréable non plus. Aragorn. Mais non, mais... Elle me montre quand je suis mort, quoi. Allez, on récupère notre vie. Les développeurs ont dit que c'est vachement dur quand même pour un jeu pour enfants. Hein. J'ai l'impression qu'on n'a pas mis assez de phases d'attaque. Ils ont raison. En tout cas, je skie comme il faut. Je lui fais un tout petit peu de dégâts, je suis trop content. Regarde. Par ici. Esquive Potter, esquive Potter, esquive Potter. Elle va cracher. Wow, 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 wow. Heureusement qu'elle est stupide et qu'elle monte tout le temps son point faible. Elle pourrait juste rester sur ses pattes. Attends, je visais le paquet de bonbons. S'il te plaît, bouge pas. What? Vous êtes tombé d'où? Voilà. Tu vas perdre, Aragorn. Je le jure. Je dis, on regrette que t'es mort de vieillesse, mais jeune. Non, 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 pardon. Pas de pardon qui te jeune. Crois. Brûle. Non, je tire à côté. Bolos Potter. Allez, vas-y. Tout le monde lève les mains en l'air. Oh, dans le dos, bande de lâches. Oh, en face, ça lâche. Elle va rush, elle va rush, elle va rush. J'ai tué Aragorn. Non, pas encore. Incendio le mur. Excuse-moi, je te vois plus. T'es là. Ah, parce que la caméra, tu comprends, le verrouillage est pas ouf non plus. Ah, tu m'as retué encore une fois. Bon, franchement, je pense que je vais te tuer cette fois. Attends, il va plus me tuer une autre fois.
Je récupère des dragées, je sais pas trop pourquoi. Ils sont là, donc je sais pas s'ils sont meilleurs que les autres. Genre, goût araignée. Délicieux. Et montre que t'es colère. Oh, t'es colère. Oh, tu es qui la vilaine araignée. J'ai qui la vilaine araignée. Tu as des noyaux d'olive. Oh, j'ai eu. C'est maintenant! Meurs Aragorn, roi des arachnides. Ah! Je pensais que tu étais mort. Respiration haletante. Quand soudain. Attention, Harry. La voiture parle. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dedans. On y va, Ronald. Putain, pour une fois que t'es utile. Bien vu à toi. Hein. On retourne au château. Et on met fin. Attends, je regarde. Ah, bah non, je mets fin à la journée. Il doit être tard. Oh non. On l'a fait hier. Il faut que j'aille au terrain de Quidditch. On a fait hier le match. Bon, peu importe. Je mets fin à cet épisode. Il aurait été haut en couleur, fort en mouvement. C'est ça qu'on aime. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour la suite d'Harry Potter 2. Et bisous. Waouh. Cette vidéo était extraordinaire. N'attends pas plus pour mettre un j'aime et lâcher ton plus beau commentaire. Si tu en veux plus, et je sais que tu en veux plus, abonne-toi en cliquant sur le singe et active la cloche pour ne rien rater des futures sorties. Grâce à ça, tu as gagné tout mon amour. Et sache que rien n'est plus beau que l'amour.